Cornichon à tout le monde, je vous prépare donc cette nouvelle vidéo qui risque d'en surprendre plus d'un. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai eu la chance d'avoir été en couple, d'avoir connu des relations amoureuses. Je n'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu. Alors je vais donc vous raconter en détail comment ça s'est passé. C'est parti. La première, c'était au printemps 2001, j'étais en classe de 3e, quand une camarade de classe, que je vais appeler par ses initiales MG, venait me voir, j'étais en cours d'histoire géo, elle est venue me voir pour me dire qu'elle avait quelque chose à me dire. Alors j'ai attendu la fin du cours, c'était la récréation, je suis allé la voir, et je lui ai demandé ce qu'elle avait à me dire. Quand tout à coup, elle s'est retournée, elle m'a regardé, et puis elle m'a sauté dessus et m'a embrassé sur la bouche. Et puis elle me tenait par la main. J'ai vite compris qu'elle était amoureuse de moi et ça me plaisait. J'étais fou de joie. Après on s'est échangé nos numéros de téléphone. On a attendu la fin de la journée. On se dirigeait vers la gare. On était dans le train. On s'avouait notre amour. On s'embrassait. Bref, c'était génial. Les mois ont passé, et puis pendant les vacances d'été, on s'est vu assez souvent. On s'aimait, on s'embrassait, bref, c'était génial. Les vacances d'été touchaient à leur fin, puis il y a eu les vacances de la Toussaint, où on était prêts à faire l'amour ensemble. Alors, elle s'est allongée, je mettais ma capote, on était prêts à y aller, et puis bizarrement, je sais pas ce qui s'est passé... Je n'ai pas pu. Ça s'est bloqué et du coup, je n'ai pas pu. Bon, ça n'a pas empêché de passer le reste de la journée ensemble. On mangeait ensemble et puis on s'est quitté, puis voilà. Mais quelque chose me dit qu'elle m'en voulait à mort à cause de ça. Parce que les mois ont passé et puis elle est devenue de plus en plus agressive. Elle disait du mal de moi, elle me faisait du mal, je comprenais pas, mais... Et là, je savais plus quoi faire. Mais bon, au fil des années, on s'est perdu de vue, je l'ai jamais revu. Et je ne sais plus ce qu'elle est devenue, mais personnellement, je m'en fiche, quoi. C'était vraiment une histoire qui s'est finie de manière terrible. Quelle tragédie. Ensuite, en 2004, je passais ma deuxième année de BEP. Et puis là, c'était deux jeunes et jolies filles qui en pensaient pour moi. L'une s'appelait Magali et l'autre Valentine. Et elle m'adressait la parole, elle venait me voir. Et puis, elles ont flashé sur moi. Elles se mettaient à me tripoter de partout, elles me montraient leur corps de rêve, elles me séduisaient, et j'adorais ça, quoi. J'adorais ça. Malheureusement, après mon examen de BEP que j'ai réussi, je ne les ai plus jamais revues. L'établissement scolaire où j'ai passé mes examens a été mis en liquidation judiciaire, et après... Malheureusement, je ne les ai plus jamais revus depuis. Alors, du coup, je fais cette vidéo pour lancer un appel. Si vous la voyez et que vous pensez toujours à moi, à moins que vous ayez fait votre vie depuis, ce qui est malheureusement probable, j'espère que vous pourrez me contacter via les commentaires de la vidéo et qu'on puisse prendre un nouveau départ, quoi. Ce serait vraiment le bonheur, mais je n'y compte pas trop. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le peu de relations que j'ai eues. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'espère qu'on fera ma prochaine vidéo avec Adam First.
Donc, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle parodie. Allez, à la prochaine.